Le noir diadème, en fait, c'est l'histoire d'un corps sans sépulture, d'une certaine façon. Au début du livre, on retrouve un enfant mort dans un terrain vague, dont on va s'apercevoir très vite, d'une part, que c'est un jeune migrant qui se prostituait, et d'autre part, que son meurtre est assez affreux, puisque d'une part, on le retrouve castré, et d'autre part, son cœur manque. C'est un corps sans cœur. Et le lieutenant Dapper, donc, qui est le personnage récurrent, l'enquêteur du Royaume des Insensés, la série, va se donner comme mission, c'est un peu une obsession, de retrouver ce cœur, pas du tout finalement pour trouver qui est le coupable, mais plutôt pour enfin rendre justice à ce garçon et lui offrir une cérémonie d'enterrement. Donc tout le livre est conçu comme une quête vers ce cœur d'enfant pour finalement lui offrir une sépulture, un petit peu comme dans la tragédie antique, et aussi peut-être comme dans ce très beau film Le Fils de Saul, où un homme qui est dans un camp de concentration va voir un corps d'adolescent. Qui doit être brûlé et va tenter, dans une sorte d'identification au fils qu'il a perdu, va tenter de le soustraire à cette crémation pour lui offrir une sépulture. Voilà finalement l'histoire de Noir Diadème.